Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TricTrac TV où nous avons la joie d'accueillir Monsieur Jean-Luc. Comment ça va, Monsieur Jean-Luc? Ça va très bien, merci. On a la joie de t'accueillir parce que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec... Ma petite femme. Madame Andy. Andy. Comment ça va, Andy? Très bien, merci. Très bien, non. Vraiment, même si tu es assise à côté du docteur Mops. Oui. Il t'a parlé déjà ou pas, non? Il ne voit pas ce que vous vouliez dire. Ah, mais pourquoi tu te moques de son accent? C'est si splendide et merveilleux. Hein? C'est moche ce que tu fais. Bien, nous sommes là pour parler d'un petit jeu qui est sorti, qui est sur les étals des boutiques très récemment, oui. Et qui répond au nom de Promptoyo. C'est un mot très agréable à prononcer. Promptoyo. Promptoyo. C'est un jeu pour enfants, car votre spécialité, on peut le dire, sans craindre de se tromper, ça reste les jeux pour enfants, c'est ça? On est plutôt sur la création et l'édition de jeux pour enfants, pour vraiment jouer en famille, en fait, tout à fait. Et oui, et ça, c'est parce que la maison d'édition s'appelle Zoé Iateka, c'est bien ça? Oui. Que, comme je suis très fort en hongrois, je sais que Iateka avec un J, ça veut dire jeu, c'est bien ça? Oui. Eh oui, c'est ça. Et que Zoé, c'est ma foi un très beau prénom. Je confirme. C'est vrai? Oui. Parce que moi, j'ai mon aîné qui s'appelle Zoé. Voilà. Et vous aussi, c'est ça? Oui. Et donc, ça s'appelle, c'est les jeux de Zoé, c'est les jeux pour votre enfant, en fait. Exactement. C'est ça qui est classe. Donc, forcément, ça ne peut être que de bons jeux. Mais parce c'est que... ton aîné de gauche ou de droite? C'est mon aîné de gauche. Hé, pas de jeu de mots sexuels avec le nom de mes enfants. Alors, donc, vous créez des jeux pour jouer en famille entre vous, c'est ça? Et ouais. Du coup, vous en faites profiter de... Mais comment se fait-il? Vous êtes joueur au départ, plus pour adultes ou... Non, non, on n'est pas forcément des gros joueurs. On s'est mis à rejouer avec notre fille, en fait. Et puis, voilà, un jour, on a créé un jeu pour notre fille et ça a lancé l'aventure. Comme ça? Ouais, tout à fait. Allez, hop. Eh ben dis donc. Donc là, on a Promptoyo, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Oui. 7 à 99 ans. Ouais. 15 minutes. Eh oui, 99. Moi qui espère vivre vieux. Ça va être 15 minutes, c'est le même format qu'un autre jeu que vous aviez sorti qui s'appelait La course fantastique et faferlue de la souris des champs du bonheur vert. Voilà. Un truc comme ça en hongrois, si je me souviens bien. C'est ça? Non, hongrois. Hongrois. Farfelue. Oh! Donc, Promptoyo, oh mon dieu, mais il y a des sorcières, c'est ça? Sorcerie. Sorcerie. Pourquoi c'est un sous-titre? Pourquoi c'est un sous-titre? Parce qu'on voulait, déjà, c'est un jeu qui, on espère, va partir à l'international. Donc, on voulait un sous-titre passe-partout. Et ensuite, pourquoi pas imaginer, s'il marche bien, une autre thématique. Ah, d'accord, ok. Donc, il y aura des versions sous thème différent. Donc, là, il est question de sorcière. Quel est donc ce signe? Passe-partout. Ah oui, mais ça, faut un peu regarder la télévision et le fort regard. Hein. C'est des blagues un peu, tu vois. Donc cette boîte, je vais la poser par devant, on n'en a pas besoin, parce que tu as déposé le matériel sur la table. Oui. J'ai quand même gardé la règle pour montrer à quel point ce jeu est extrêmement compliqué. Oui. Voilà la règle, ça tient dans une petite feuille pas plus grande que ça. En plus, la tient à l'envers. Donc voilà, le but du jeu, comment retrouver la bonne sorcière, etc. Et puis un petit peu de promo pour la société. Oui. Ouais, donc c'est-à-dire que c'est vraiment très court. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de choses dans le jeu, mais on n'avait pas besoin de faire une règle sur 10 pages, parce qu'on a bien résumé la règle du d'accord, jeu. D'accord, cette règle, je vais la poser par devant moi, car on n'en a pas besoin. Non. Personne n'a un truc à rajouter, je la mets juste là, regarde, comme ceci, en équilibre, ça n'a pas tenu. En tout cas, avec les règles du jeu, on essaie toujours d'être clair et être visuel, justement d'accord. Pour la compréhension. Pour ça, c'est pour les enfants en même temps. Hein, donc, oui. Écoute, j'ai envie de dire, Jean-Luc, mais comment cela marche-t-il donc? Alors, exactement. Eh bien, ça marche donc bien. Ok, merci. Et j'adore ça. Sympa. À bientôt. Alors, vas-y. Alors, en fait, c'est un jeu d'observation de rapidité. Oh, mon Dieu. Merci. Avec un truc visuel dedans. Oui. Venu te moquer de nous, en fait. Je suis venu gagner. Ah, d'accord, ok. J'avais perdu la dernière fois. Je suis venu gagner. Voilà. Qui va, en fait, créer une course. Donc, pour le scénario, pour les plus jeunes, on est des petites grenouilles. Donc représenté par ces petits pions-là. Il y a un petit parcours à réaliser. Le but du jeu, c'est d'arriver le premier au puits pour se protéger des sorcières qui cherchent à nous attraper pour faire leur potion magique. Ah ouais, forcément. Comment on avance? Tout simplement en tapant le premier la bonne carte sorcière. D'accord. En sachant que toutes les cartes sorcières que vous avez sous les yeux, toutes les sorcières sont différentes. Donc les sorcières ont soit les cheveux blancs ou cheveux rouges. D'accord. Et les sorcières qui ont des lunettes ou qui n'ont pas de lunettes. Ok. Les sorcières qui ont un chapeau orange, bleu ou vert, et une écharpe orange, bleu ou verte. Ah ouais. Mais j'ai même des sorcières qui ont des grandes dents et une queue, non? Il y a des sorcières qui ont un chat et d'autres un crapaud. Ouais. Alors,
Ça, je le dirai juste après. D'accord. On va se focaliser d'abord sur les sorcières. Voilà. Donc, si par exemple. Excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je crois que c'était une différenciation de sorcière aussi avec son animal de compagnie. Je vais le dire après. Ah, voilà. Après, d'accord. Donc, si par exemple, je lance le dé et que le dé sort sorcière cheveux blancs, sans lunettes, écharpe verte, le premier qui localise la carte sorcière. C'est là. Ça, c'est là. Ouais, mais je le dirai, mais après. Hein, je le dirai après, d'accord, hein, okay. Le premier qui trouve la bonne carte sorcière avance d'une case. Okay. D'accord. En sachant qu'il n'y a qu'une seule solution possible. Okay. Et que avec 2D, c'est un petit peu fastoche. Donc, en effet, on va rajouter un troisième dé. C'était trop fastoche, là. Ils sont énormes. Qui va... ouais. Quand tu achètes le jeu, tu colles les choses ouais, dessus. Tu colles les autocollants. C'est, ouais. C'est important de signaler ce genre de détails. D'accord. Tu vois. C'est notre côté professionnel et Ayagari, j'ai bien vu que ça avait été collé par quelqu'un. D'accord. Après. On les colle dessus, c'est tout est prévu. Donc pour revenir sur les animaux que tu avais repérés. En effet, sur les cartes, il y a quatre animaux possibles. Un chat, une grenouille, un hibou et une chauve-souris. Les animaux les animaux sont toujours placés au même endroit sur la carte. Simplement, il n'y a que deux animaux par carte. Oui. Donc là, en fait, tu avais changé de... Elle est où celle-ci ? Est-ce que tu as changé le dé ? C'est celle-là. Si on prend sur cette carte-là, si le troisième dé sort le hibou, le hibou est présent sur la carte. Oui. Donc on tape la carte, on avance d'une case, c'est la bonne carte. D'accord. Si jamais le dé avait sorti la grenouille, la grenouille n'est pas présente sur la carte. Il faut taper autre chose, en fait. La grenouille n'est pas présente sur taper la carte. Taper son voisin. Non. La grenouille n'est pas présente sur la carte. Cette combinaison de sorcières n'existe pas ailleurs. Ouais. Donc, il ne faut pas chercher ailleurs. Ça veut dire que cette combinaison-là n'existe pas. Et dans ce cas-là, on tape la sonnette en disant « ça n'existe pas, il faut montrer la carte en question ». D'accord. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, si jamais tu tapes une carte par erreur, que ce n'est pas la bonne carte, tu deviens hors-jeu. Tu n'as pas le droit de taper une seconde carte, laissant plus de temps à tes adversaires. D'accord. Même chose si là, tu tapes. Si tu montes une mauvaise carte, tu deviens hors-jeu et ton adversaire pourra en profiter. Et si tu fais ding-ding et que c'est mauvais, c'est hors-jeu aussi. C'est hors-jeu aussi. D'accord. Donc là, pas du tout, tu es hors-jeu. Bah, ça ne se passe rien. Tu revois ça. Là, la grenouille n'était pas présente, donc on va taper la sonnette en disant « elle n'existe pas ». C'est la bonne carte, on va la retourner pour faire apparaître la grenouille. Donc, ah, elles sont recto verso de l'envers. Oui. D'accord. Donc on est vraiment dans l'observation parce que le plateau de jeu va évoluer. Tu es un peu vicieux comme garçon. Non, pas du tout. Je dis les gens qui rasent leur barbe là, je ne comprends pas, c'est pas normal, ils ont du vice en eux. Donc c'est la même sorcière, c'est que les animaux. Je te laisse tes commentaires, pas de problème. c'est que les animaux qui changent. On va être un peu vicieux sur d'autres. Ça, c'est pas du vice, voilà. Monsieur. C'était la partie apéritif. Oui, c'est ça. Alors, après, il y a des cartes faciles, j'ai envie de dire. Si jamais le dé sort la face du chien, le chien, la face du dé, en fait, est prioritaire sur les autres dés. Donc, si le chien sort, il faut taper la carte au chien, quoi qu'il arrive. Ouais. D'accord. Et on avance d'une case. D'accord. OK. Si le dé sort... Sur le crocodile. Le crocodile. Voilà. Le crocodile prend le dessus sur les autres dés et il faut taper. Crocodile. Non, ce serait trop facile. Là, je vais un peu vite. Non, c'est le crocodile, c'est dangereux. Oui, ça fait mal. Voilà. Ça, j'ai été fait comme ça. La cloche, je vais le dire. D'accord. Celui qui tape le crocodile, par erreur, recule d'une case. D'accord. C'est le seul cas de figure où on recule dans le jeu. On peut se tromper de carte, il n'y a pas de souci. Si on tape le croco, on recule. D'accord. Ensuite, on va rester sur la même combinaison de sorcières, celle-ci. Si le troisième dé sort... Alors, je suis désolé parce que je donne tout un peu en vrac. Non, mais nous sommes des professionnels. Moi, j'ai tout retenu. D'accord. Si le dé sort, le troisième dé sort une main, dans ce cas-là, il ne faut plus taper la carte. Il faut annoncer l'un des deux animaux qui est présent sur la carte. Ah ouais, donc là, il faudra dire soit grenouille, soit chauve-souris, toujours en montrant la carte. Grenouille. Voilà. Et là, si tu fais grenouille, là, t'es mal. Tu vas écraser la grenouille, mais je vais l'accepter parce que c'est la première partie. D'accord. Okay. D'accord. Et on avancera d'une case. Dis donc. Il y a des règles du jeu. Ah ouais, tu as raison. Et ensuite, le top du top, la phase de dé où on inverse tout. C'est-à-dire que si le dé sort cheveux blancs, sans lunettes, écharpe orange, il va falloir taper la carte où la sorcière a les cheveux rouges. Donc le cheveu blanc devient rouge. On enlève, on retire les lunettes, donc là on les ajoute. Et ensuite, l'écharpe se transforme en chapeau, parce que là, c'est un des deux accessoires, mais garde la même couleur. Donc, dans ce cas-là, c'est chapeau orange. Moi, je pense que quand tu auras ça, on te laissera faire. C'est beaucoup plus simple. Alors, en fait, détrompe-toi.
Parce que moi, je ne sais pas si vous êtes fort en observation ou pas, mais ah, apparemment… Moi, je suis très, très… Ah, oh là là. Moi, j'observe beaucoup. Oui. Mais bon, assis sur un banc, face à la mer, je peux observer pendant des heures. D'accord. Maintenant, pour revenir au jeu. En fait, les gens qui sont moins bons en observation vont être très bons sur cette configuration-là. Ah oui. Ils peuvent gagner la partie grâce à cette configuration-là. Parce qu'en inverse, c'est plus dur. Comme c'est plus dur, on a un bonus, on avance de 2 cases. Ah, ok. Et on va s'y retrouver. Ça va équilibrer, en pour fait. Pour ton édification, je vais pouvoir te présenter un troisième cas qui est la personne qui est mauvaise dans les deux cas. C'est le jeu quand même. Prends un autre jeu. Alors, je vais te proposer les étagères où tu peux aller choisir. Bah, il va concentrer sur le chien. Bon, c'est ça. Ensuite, deux cas de figure encore. Si le chien sort avec le « on inverse tout », le chien reste toujours prioritaire. On tape le chien. Et le crocodile. Donc, tu peux te focaliser sur le chien, si tu veux. Ça fait partie du jeu. Moi, j'aime bien l'idée de taper le chien. La carte du chien. La carte. Non, taper le chien me plaît beaucoup. Et comme il y a le bonus, on avancera quand même de 2 cases. Eh oui. OK. Et si le croco sort avec l'inverse, dans ce cas-là, il faut inverser. Il y a toujours un piège. Avec et là, on tape le crocodile. Et là, on tape le crocodile et on avance de 2 cases. En sachant qu'on ne peut pas être 2 sur la même case. Ah, on se saute par-dessus. Voilà. Ah oui, oula. Nous sommes des grenouilles. Tu es devant. Très bon. Tu peux revenir du diable Vauvert. Voilà, on peut se refaire une santé, entre guillemets. Et qui jette les dés, chacun son tour? Il n'y a pas de précision dans la règle. Ça peut être un joueur qui veut le faire, ça peut être chacun son tour. Ça peut être, chacun son tour, c'est bien. Voilà. On essaie de le jouer ou bien jeter, ouais. Ça, bon, ce que je propose, si tu veux, c'est que je lance le dé. Et à la limite, si ça peut vous aider, j'annonce sur les premiers lancers ce qu'il faut faire. Non? Oh, ça peut peut-être nous aider. Moi, je ne sais pas. Vas-y, alors on va faire ça. Puis après, on dira. Basiques, ou alors on peut faire mieux, c'est on jette chacun un dé dans son coin. Alors, c'est comme ça. La partie dure 30 minutes. On est parti? On est parti. Bon, moi je joue le vert. Ah oui, je savais. Jaune. Le jaune. Rose. Voilà. Il peut être est-ce que le méchant rouge ou le gentil bleu. Ouais, non, le bleu n'est pas gentil, non, il est stupide. Chez nous on dit le stupide bleu et le méchant rouge. Tu préfères être méchant. Voilà. Ok, je vois. C'est parti. Donc là, c'est l'inverse. Là, on inverse. Donc il faut la dame qui a les cheveux rouges. Tu n'as pas le droit de nous laisser gagner. Et avec un chapeau vert. C'est ça? Non, bleu. C'est pas ça? C'est chapeau bleu, donc c'est écharpe bleue. Oui, c'est ça. Donc c'est écharpe bien celle-ci. Bleue. C'est rouge ça. Sans lunettes. Donc c'est bien celle-ci. Ah oui, il y avait des lunettes que j'avais oubliées. Ouais, donc tu avances avance de 2 cases. Vache. Deux cases. Parce qu'il y a plus ça. Oh putain, c'est trop bien joué ça. Allez, je ne vais pas avancer d'une case. Le chien. Hop, hop, hop. Ah, trop tard. Ah. Tapez d'abord la sonnette. Personne n'a retapé le chien. On peut profiter des erreurs des autres. Je tape le chien. Ah, oui. Le chien. Il fallait taper le chien. Il fallait taper le chien. Tu n'as pas tapé le chien. La carte au chien, pardon. De rien taper du coup, ça c'est clair. Mais attends, je vais les jeter là, moi. Vas-y si tu veux. C'est beaucoup plus télévisuel ici, d'accord? Oui, c'est ça. On va mieux. Je tape plus rien là. Bon, on va faire. Ou alors tu peux les jeter là, dans ces cas-là. Vas-y. Allez, vas-y. Mais. Oui, là on voit rien à l'écran, mais. C'est ça. Donc là, faut pas attraper le croc, c'est le crocodile, donc c'est la cloche. Toi, tu nous laisses gagner, c'est mal, hein. Vas-y. C'est très très mal. Le vert. Donc un. Ouais, ça avance de là. En fait, il veut le chien. Avancer. Parce que la main, elle fait quoi la main déjà elle, le chien prend le dessus, donc quoi qu'il arrive, le chien. D'accord, mais sinon, la main, c'est quoi déjà? Fallait pas taper. La main, c'était une sorcière. Ah, c'est l'animal. D'accord. Okay. Non, mais c'est le genre de jeu où il faut pratiquer pour. Deux parties, c'est bon. Deux parties, oui, t'es rigolo. Donc là, c'est la main, il faut faire la. Il faut annoncer l'animal. Donc c'est là. Tu cherches même pas lui. Donc c'est la grenouille. C'est où? Tu dois la montrer. C'est pas la bonne carte. Ah non, c'est pas la bonne. Elle a pas de lunettes. C'est celle-ci, ouais. Elle a pas de lunettes. Elle a des lunettes. Putain, j'ai pas vu les lunettes. Bon. Donc là. Ok. J'ai avancé d'un. En même temps, ils sont en train de jouer une main dans le dos et un œil fermé. Hein. Chien. Sauf là, elle a commencé à vouloir gagner. Voilà. Ah non. Ah, j'étais trop. Ce trou là. Ah, bouché. Yes. Non, moi, je focalise crocodile. Alors, il faut dire, il faut qu'il y ait le blanc sans lunettes, écharpe bleue. Non, c'est celle-ci en fait. Blanc sans lunettes, écharpe bleue, le hibou est là. T'es trop fort toi en fait là. Bah si. Ouais, mais c'est. T'es habitué, c'est ton jeu en même temps, tu les connais par cœur. Donc là, c'est le chien. Il faut taper le chien. Moi, je vais gagner qu'avec le chien ou le crocodile. C'est une stratégie. Bah, j'ai pas le choix. Alors. Elle n'est pas là. Elle est pas là. Si, elle a des lunettes, je ne vois pas les lunettes. Je ne vois pas les lunettes.
Toi, c'est bien parce que tu es contente quand tu trouves. Oui. C'est vrai, regarde. Oui, parce qu'à la fin, il fait toujours la manie. Le chien. Ah, t'es la phare au moins. Crocodile. Ah. Alors, il faut trouver la sorcière. Quelle est... Cheveux rouges sans lunettes, chapeau orange. Et une chauve-souris. Cheveux rouges sans lunettes, chapeau orange, chauve-souris. Elle n'est pas là. Donc, ding. Ouais, c'est ding et tu retournes. Mais tu l'avais trouvé ou pas? En fait, je pense que tu es en même temps que toi. D'accord. Donc, tu me fais avancer, s'il te plaît. Non, je suis pas rouge, moi. Hein. Excuse-moi, c'est moi. En fait. Cheveux rouges, écharpe jaune, chat. Cheveux rouges, écharpe jaune. Lunettes. Lunettes. Cheveux rouges. Je vais pas trouver déjà. Cheveux rouges, écharpe jaune. Il n'y en a pas. Elle est où? C'est là. Exact. Ah, elle y est. Maintenant, elle y est, parce qu'on la retourne. Elle y est. D'accord. Cheveux rouges, écharpe verte, lunettes, chat. Chat. Elle y est pas. Elle est où? Oh, putain, vous êtes trop fort. Enfin, moi, j'ai pas touché là. Cheveux rouges. C'est l'envers. Non, il faut les cheveux blancs avec. Je vois pas s'il y a des lunettes ou pas d'ici. Ouais, sans cheveux blancs sans lunettes et chapeau orange. Exact. Oui, c'est ça. Deux cases. Deux cases. Ah. Il faut pas taper, il faut annoncer l'animal. Chat. C'est celle-là, en fait. T'es sûr? Vérifions. Ah ouais, il est trop fort. Ouais. Il est trop fort. Bon, je jette les dés parce que j'aime bien cette partie du jeu. Alors, cheveux blancs, pas de lunettes, écharpe bleue. Elle n'existe pas. C'est ça. Elle n'existe pas. Mmh. Ouais. Sinon, tu peux la jouer un dé après l'autre. Aussi. Tu veux que j'essaye pour voir? Non, je m'en fous, mais alors ça va durer 2 heures après. Alors, verte, rouge, lunettes. Non, c'est l'écharpe qui est verte, il faut choper l'écharpe. Elle n'existe pas. Ah, ouais. Elle n'existe pas, elle est où? Ouais, ah, c'est ça. J'avais trouvé la carte, mais je n'avais pas vu l'animal encore. Dommage. On peut profiter de l'erreur des autres, donc c'est taper le crocodile. Ouais. Fais-le, ne nous laisse pas gagner, c'est insupportable. C'est insupportable. Allez, alors je joue. Bah oui. Donc là, blanche sur lunettes. Elle existe. Ah si. Elle existe, elle est là. Elle est là, ouais. Ouais. Pour moi. Ah. Allez. Je vais faire gagner à la loyale. Donc l'inverse. Bon. Il faut garder la couleur de l'écharpe. Celle-là. Ah non, c'est, non, c'est l'écharpe verte. Ah, oui. C'est blanc. Mais c'est l'inverse. C'est chapeau vert. Ah, oui, mais en fait, l'écharpe devient chapeau. Donc ah oui, chapeau, oui, ça, j'ai oublié ce paramètre-là. Donc c'est pour toi. Ah, il revient, quoi. Ah, avec sûrement un crocodile. Alors, chapeau. C'est où? Non, elle est là. Elle existe. Non, il n'y a pas le. Ah oui, il n'y a pas le. C'est toi? T'as eu un doute, hein? C'est grave, c'est bien ce que je vais gagner deux cases comme ça. Oh, pardon. Ah, ce qui lui reste comme solution, c'est de nous virer retourner vers lui. Hein. Donc, alors, on a dit rouge sans lunettes. C'est dommage, hein? Tu vois, mais c'est dommage, mais tu vois, c'est mon problème dans tous ces jeux. C'est que je l'avais trouvé, mais je vérifiais une dernière fois. Sauf que toi, tu ne vérifies pas. T'as rien à c'est ça la différence. Allez, vas-y, je te la rends. Voilà. Aïe. Bien, comme ça je passe en tête au prochain coup. Il n'y a pas de lunettes. Pas de lunettes, chapeau orange. Ah, il faut dire. Je cherchais ce qu'il fallait dire. En fait, il fallait dire le nom de l'animal. Oui, il a raison. Donc là, c'est le contraire. Donc blanc sans lunettes. Oui, vas-y. C'est ça? Ouais. Blanc sans lunettes, chapeau orange. Ah, c'est bon coup là, parce que 1, 2. Donc, alors ça, celui-là. Elle n'existe pas en fait, c'est celle-là. Oh putain, il est trop fort. Oh là là. Non, mais c'est bon, il y a une question de compétence. Hein. Oui, oui, c'est clair. Il y a de la progression. Hein. Alors, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Rouge, elle n'existe pas. Ah, elle a gagné. Non, pas encore. Ah, je peux gagner. Ah, oui, je peux gagner sur ce coup-là. Sors-moi un chien ou un crocodile. Un chien ou un crocodile. Il n'y a pas, je ne peux pas trouver ce genre de choses. C'est blanc, et il est là. Eh oui, bah tu vois. Tu l'avais trouvé ou pas? Non, c'est moi. Non, honnêtement, je ne l'avais pas trouvé. Ça s'est joué parce que tu as un peu freiné au départ. Bon, on a compris, on sait comment fonctionne ce genre de jeu. Il y a une courbe d'apprentissage. Plus on joue, plus on sait, plus on connaît les cartes, plus on va vite. Pareil, c'est renouvelé par la mise en place. Quoi qu'il arrive, les scores restent toujours un peu dans un mouchoir de poche. C'est ça. Ouais. Alors oui, c'est ça. Nous, on est dans le mouchoir de poche qui est dans la poche droite. Et toi, tu as dans le mouchoir de poche la poche de l'arrière gauche. C'est le mouchoir de la chaussette. C'est ça. Donc, c'est Promptoyo, oui. Modèle sorcellerie, parce qu'évidemment,
comme tu le disais, là, il y a un thème, tu peux après changer pour renouveler avec l'espace ou ce que tu veux derrière, parce que ça change les habitudes visuelles de reconnaître. Donc après, il y aura d'autres Promptoyo, il y aura, je sais pas, Promptoyo zombie, Promptoyo, c'est ça, ouais. Serial killer. hein. Ok. Une tâche. Zoé Yateka, donc c'est un jeu signé par monsieur Jean-Luc, c'est toi, Jean-Luc Renaud, oui. Hein, c'est ton nom, illustré par Panka Pastoui. Pastoui, c'est ça. Pourtant, Pastoui. Bah, c'est facile à dire, mais quand tu le lis, t'es pas sûr. hein c'est vrai. P-A avec un petit accent, S-Z-T-O-H. Oui, Pastoui, ça se dit. Ça se dit Pastoui. Voilà. Ok, fabriqué en Europe, Promptoyo, chez Zoé Yateka. Création, c'est important, création. Ouais, qui veut dire quoi en hongrois ? Création, ça ne veut rien dire en hongrois. Celui qui court nu dans les steppes, ça veut dire. Tu le savais. Bah, écoute, je fais hongrois première langue. J'ai bac pro hongrois, moi, tu sais. Combien ça la coûte-t-il donc ? Une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, il y a des gros dés en bois, etc. Un petit plateau, il y a du matériel, voilà, 20 euros. Ceux qui nous ont regardés ont compris si c'était pour leurs enfants ou pas. Ou pour eux, on peut jouer en adulte aussi. Hein. Oui. C'est un petit côté, c'est des gros dés qui me rappellent ça. Tu sais, ce jeu fait par Bruno Catala et Serge Lager qui s'appelait Du Ballet. Du Ballet, oui. Hein, c'est un petit côté avec les gros dés, vous ne connaissez pas Du Ballet ? Non. Bon, c'était un jeu excellent, sorti il y a quelques temps, qui c'est pas tout à fait le même principe, mais il y avait ces gros dés qu'on lançait, il fallait retrouver des trucs, enfin c'était assez rigolo. Promptoyo, moins de 20 euros dans toutes les bonnes boutiques, et aussi les mauvaises. Vous êtes distribué comment ? On distribue nous-mêmes nos propres jeux en fait. D'accord. Maintenant, on fait création, édition et distribution vers les magasins. Et toutes les boutiques spécialisées, où vous avez un petit réseau, un gros réseau, on vous trouve partout, pas partout ? Bah, faut regarder sur notre site en fait pour avoir la liste des magasins. Aujourd'hui, on a à peu près 200 boutiques en France. Alors, ça va, c'est assez large. Les boutiques, si elles veulent le distribuer, elles vous contactent, c'est sans ça ? Sans problème, ouais. Voilà, les boutiques qui nous regardent, parce qu'on sait qu'on est en fait regardé beaucoup par les boutiques. Si vous voulez savoir où achemander vos étals avec le Promptoyo et les autres jeux de la gamme, vous contactez Promptoyer. Zoé Création sur Internet. Zoé Yateka. En tout cas, sur la fiche des jeux, elle doit y être, je pense. Oui. Ouais. Ok. C'est compris. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Andy. Merci Jean-Luc. Merci, et merci à vous. Mops. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de t'avoir à des jeux de rapidité. C'est vraiment. Ça soulage. C'est pas juste.